Donc on est de nouveau au pôle mécanique. Ça fait un an qu'on n'était pas venu avant Pikes Peak l'année dernière avec Volkswagen. Pourquoi ils ont décidé de revenir? Je pense que l'accueil a tellement été bon l'année dernière qu'ils ont été assez charmés par ça. Forcément, de pouvoir rouler aussi de toute la journée ici en étant tranquille, etc. Et le circuit ayant plein de possibilités en termes de tourner dans un sens ou prendre dans l'autre sens permet d'essayer beaucoup de réglages. Donc à la fin, forcément que j'y suis un peu pour quelque chose à chaque fois, j'insiste un peu parce que je suis content qu'on vienne ici. Mais ils ont tellement bien aimé que cette année, ils ont même ramené deux autres voitures pour faire d'autres essais. Donc c'est plutôt positif pour Alès, pour le pôle et pour moi-même parce que je suis content. On peut voir les évolutions de la voiture sur le circuit. C'est toujours intéressant de revenir au même endroit pour voir en termes de performance où on en est. Le prochain défi, ce sera Nürburgring, où on va essayer de faire le record sur le long circuit de Nürburgring, qu'on appelle la Nordschleife, qui fait plus de 20 km. Donc c'est un circuit le plus dur au monde, on pourrait dire. Il y a le record électrique aujourd'hui de 6 minutes 45, donc on va essayer de battre le record et essayer de se rapprocher du record absolu, comme on avait fait à Pikes Peak l'année dernière.